Hello and welcome to Pluto Acoustic Radio. Hi. I'm with my favorite guest, my favorite host, my partner in crime, Poston Clement. How are you? Hello, urban country. How are you, mate? I'm fine, man. It's been a while. It's been a while. Yeah, sure. It's been like a month, I think. Like forever. Like forever. Like forever, but we have so much to say Of course, to each other, but also to our Pluto Costicos, you know? yeah. So I may should remind that what are the three pillars of our show here? First would be regularity. Yeah, sure. Sure. The Not second. our maybe not our strongest one. Not the strongest one lately. Yeah, of course. The second, would I say, trustability of the sources. Yeah, always reliable sources. And the third one, I say, honest as pork, honest as shit, honest as shit pork. Yeah, like 100% honest with ourselves, with the Costicos, with everyone. We Yeah. are 100, dare I say 200% honest. Yeah, I don't think that would be a lie. I don't think it would. It's like No, no. so. Maybe you know, Urban. Yeah. Maybe it's not for us to say. Oh Maybe. no. You know, but if someone Yeah. was to talk about Pluto Acoustic, maybe they'd say those guys are 200% Franco de Pork. I think they would say this. I honestly think they would say that. I also think, and it's not mine to say, but I would think they would say it's the best podcast on earth. But it's not. Maybe the best French podcast? Well, I don't know. but isn't French the best in at Yeah, everything? sure. So Of course. Of course. just like it would be, then what would that make? That would make the best podcast of the world. That's it. Yeah, sure. So today is Bastille Day in France, and Yeah. I'm hangover as shit because Yeah, I because spent. you drank a lot of beer yesterday. Yeah, I was with you, the grand gig, the big fella. Yeah, The yeah. I was doing a lot of shows, doing what I do, showing my dick around, people crying, and Yeah, the the usual. usual, doing my craft, doing my shit, and then we drank Yeah, because maybe excessively. it was your birthday. Yeah. Yeah, it's not happening every day. You could have been born on the 14th of July. It would have been a positive message to send to the world. Well, you were there one day earlier. One thing I Too like bad. about being born on the 13th is that then I can be drunk as shit, and Yeah. then the day after I don't have to work and I can be hangover and It's shitting. fantastic. Yeah. Every year you can get pissed Yeah. and no consequences. And It's the best. I need my time to cry, to forget I'm getting old. Of course, I'm of 22 course. now. I'm 22. It's Everyone. fucking old. It's fucking old. So So did you see any changes within your body after the, I don't know, 30th birthday or yeah, 25th or? like this morning, I wake up drunk as shit and I Yeah. realize I'm a fucking fat pig. Ah. I'm gross. I still have a huge cock. I still have a It huge new? cock. But I just realized, and then I remember, it's been years that I'm fat as shit. It's been years that I'm gross Yeah. and disgusting. I thought it was So yesterday. it's not It's not really new. really that new. Yeah, Not okay. that new. But Not that did new. you feel something new? You're what, 34? I think my dick kind of grew more. Okay. I thought it would stop, but Okay, I thought you were gonna say like white hair or my back hurt white or hair on my balls. white. Definitely. Okay, so it's just focused around your cock and balls area. Well, yeah, You only grow in the groin area. I'm Everywhere growing. else. Like the penis is growing, but also I see the balls are more and more sagging, and now Yeah. they're down to my knees. To your knees, yeah. This thing when kids grow up
and they're on the wall, and you put little marks to show. I have. So you put marks down to the floor every year. I have this on my leg, on my thigh. Every year. Well, 1990. Every year it goes down. And I think the law is that when it touches the ground, you have to die. Yeah. I think you have to commit suicide. when you step on your balls and it hurts you really bad. You commit suicide. Like when with your cane, you're hurting your own balls, then... Did you I think it happened to me once or twice. Did you one day sat on your balls? Oh, right now, clearly right now, and it hurt. Oh, you know, by mistake, you know? No. I'm constant, and it hurt. Oh, okay. It hurt a part of my brain that speak French, and now I'm stuck. I'm stuck with this. This is why. Okay. So how are you gonna celebrate Bastille Day today? Well, Bastille Day, huge day when you love the Place de la Bastille. When you love, you know, army men, uniforms, and huge, huge tanks and horses. So huge day for me, as I love all of those very much. You woke up early to see the defilé. So usually the 14th, I wake up at 4. Yeah. I masturbate violently while singing our national anthem. Yeah. As every Frenchman should. Do you think of the current president or the Gaulle? No. Maybe Pompidou? No, just Chirac. Chirac. He's the sexiest one. And I have to come at the end of the song. So, Abreuve, you know, and then at Sillon. And then... So that's in the morning. Then I just look at Laurent Delahousse and Julien Baugier on France 2. And best channel. Fucking mainly well. Mainly for the trucks. I really love the military trucks. But then I masturbate again, thinking about Léa Drucker. What time? On a truck. What time is it around the second masturbation? Like 11. 11. Oh, so it's like 5 hours, 6 hours after the first one. It's okay. Yeah, because in between, I'm just watching France 2. And charging. How do you charge the balls? Like, do you have certain food to be sure? Well, pur jus multifruit, you know, very useful. Of course. Ananas and a lot of ratatouille, of course. Ratatouille, filling the balls as much as we can with all this good vegetable shit. I dip my balls in ratatouille. Follow you eating. That's my little secret. All right. And then today it's a huge Tour de France day. They are in the mountains, so maybe around the, you know, when they arrive at the top of the mountain, I masturbate a third time, thinking about Gérard Rolls. And then, well, it's time for you must come pretty fast if you think about this sexy beast of a horse. Oh, the beast, Gérard, the beast, horse. I don't think I can last more than like 1 minute thinking of this guy. You know, I wonder sometimes what does his dick look like? You know, what does every celebrity's dick look like? I don't know if I'm the only one thinking about this, but sometimes I wonder. You're not the only one. Flaccid. Gérard Rolls' dick look like? Flaccid or hard? Because it's flaccid. It's funnier, I think. I think Rolls' dick is like very sturdy, you know, very short but very thick, like a Coca-Cola. Oasis can. I think it was his surname, you know, his nickname. Yeah, distributor, the Kenneth, I think. I think it was. This is how we do it. Bon, allez, stop. On a tenu pas mal. On aurait pu faire tout l'épisode. Hein. Franchement, on fera le prochain, on fera 10 minutes en espagnol. Mais c'était déjà pas mal. Chaud. Espagnol, pas sûr d'avoir le... Disons qu'on parlera moins de la bite de Gérard Rolls. En... Quoi? La polla de Gérard? La polla de Gérard. Ricante polla como una caneta de guajillo.
Putain, mais c'est assez. Bon, quoi? Alors quoi? Donc on repasse en français, d'accord. Oui, et même est-ce que. Alors on est à distance parce qu'on n'a jamais réussi à faire en vrai. Et déjà on est en retard de. Bon, bah, on n'est pas vraiment. On n'avait pas dit, mais bon, c'est vrai que là on a eu beaucoup de mal avec Ben, nos. c'était la fin de confinement et du couvre-feu, donc on était sur une fin de mi-confiné. Fallait faire une pause, elle fut faite et je pense qu'elle a fait du bien à beaucoup de monde. Oui. Alors on a quand même eu beaucoup de messages de gens déçus qui avaient du mal à. Parce que le C'est rythme vrai. a été soutenu pendant longtemps, mais en même temps tout le monde avait envie Et de pas tant boire. que ça. Et pas tant que ça. Pas tant que ça, oui, allez, je dirais une vingtaine. On a Les vu. gens s'en foutent. Donc, effectivement, il y avait mon spectacle hier, vous êtes venu. C'était très sympa. Il y avait des costicos dans la salle. N'hésitez pas à en faire une critique, mais avec évidemment que des. Voilà, vous êtes libre de dire ce que vous voulez sur le spectacle, dans la mesure où ce n'est que du positif, dithyrambique. À vous. Ben après, c'est vrai que moi, j'ai généralement sur n'importe quel produit, même les restaurants, les gens qui laissent des commentaires, c'est des commentaires négatifs. C'est le seul intérêt de laisser un commentaire. Quand t'es pas content, tu vas râler. Mais pour les spectacles et pour Billets Réduits et compagnie, il faut vraiment être très très énervé pour aller chier sur un spectacle, quoi. C'est moche. J'en ai eu qu'un moi depuis 3 ans et en plus Billets Réduits qui l'ont enlevé. Ah, c'est censuré, hein. Bah, bravo. Bah non mais je sais plus pourquoi, parce qu'il avait dit un truc. Non mais parce qu'il était parti trop en couille le gars. Mais Parce que tu l'avais énervé peut-être avec un. non, c'était juste un gars qui avait vraiment pas aimé. Non mais en plus elle doit être quelque part, mais genre ils l'ont mis un peu au fond parce qu'ils se sont dit oh il y en a un sur 300. Mais ouais, il. Et du coup, il t'avait un peu. C'était quoi? Il t'avait insulté? Bah, je sais Il pas était. si je le retrouve, mais je sais pas s'il l'avait enlevé ou pas. Mais il avait dit que ma vie était de la merde, plus ou moins, et que c'était de la Ah merde. oui, d'accord. Que c'était pas intéressant. C'était vraiment donc pas très. Ça m'a un Pas peu vraiment fait. lié au spectacle, quoi. Si, non, C'était. c'est parce que vu que je raconte ma vie dans le spectacle, il disait, bah, elle est nulle cette vie. Je dis, bah, Ah oui. c'est Ouais, vrai. d'accord. Mais après, est-ce qu'il faut forcément être un aventurier pour. Mais Bah, c'est aussi après. le principe du stand-up, quoi. C'est Oui, c'est raconter ça. sa vie de merde. Tout le monde n'a pas forcément une vie incroyable. Voilà. Alors, je vais voir dans mauvaises notes, la plus mauvaise que j'ai. Non, la plus mauvaise que j'ai, c'est. En plus, c'est vieux, ça a presque 3 ans maintenant. Donc voilà. Donc les gens ne vont pas mettre de commentaires négatifs, quoi. Non, pas trop. Pas trop. Écoute. Mais voilà, donc il y avait des petits costicos, dont certains qui nous ont attendus sous la pluie, mais qui nous ont envoyé un message, mais en fait, nous, je les ai pas vus, et puis alors toi, tu allais boire un coup de ton côté, moi, je Alors devais moi, en enchaîner le fait, deuxième quand je suis spectacle. sorti, j'avais très 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 faim. Donc on est allé manger avec un pote pas loin, où on a été retrouvé d'ailleurs Par d'autres par costicos. des costicos, de très très beaux costicos, un joli couple de costicos. Ouais. Très bien habillé, d'ailleurs, très stylé. Oui, bien sûr. Non, moi, je pensais que tous nos auditeurs s'habillaient comme des sacs. Non, eux, ils étaient quand même assez élégants. Petite casquette, petit caouet, parce qu'il faisait un beau Ok. temps de merde. Ils vendaient du shit d'ailleurs. Ils vendaient du shit. Il vendait du shit, Ouais. ouais. Lui, il vendait du shit. Elle m'a pas proposé plutôt tout ce qui était crack. Elle était assez. Oui, c'était plus dur comme Elle, on boîte. sent qu'elle était partie. Hein. Ouais, je pense qu'elle doit plus comprendre grand-chose au podcast. C'était beaucoup de crack. Mais lui, il était encore potable, quoi. Je veux dire, un bon gars solide. Ouais. Après, est-ce qu'on peut prendre trop de crack? Oui. Non, je me posais la Oui, question. Oui. C'est maintenant, non, je déjà, préfère. tu sais, je crois qu'en prendre une fois, c'est trop. Putain, j'ai comme. Est-ce que tu testerais plein de drogues si on te disait que tu avais plus que 2 mois à vivre? Oui, parce que ma peur principale, c'est quand même d'être accro. Pas vraiment de par descendre ou des conneries comme ça, Ouais, mais c'est clair, t'attends le pire, c'est ça, tu vois. c'est combien 2 mois d'héroïne? C'est genre, allez, 5, 3 000 euros? Ouais, Non, puis non, mais ça en doit être plus, plus. si tu fais nimp, tu peux aller plus vite que 2 mois, tu vois. Donc, non, mais tu vois, je me dis le crack en plus, la première pipe doit être sympa, mais c'est juste que ça te pourrit la peau, ça te pourrit les dents, pas envie de ressembler à un déchet non plus. Donc, ouais, si j'ai 2 mois, je pense que je teste d'abord des trucs, tu sais, comme du LSD et des trucs comme ça, Ah que je non, moi refuse ça de m'intéresse tester pas. en. Moi, il n'y a que l'héroïne et la morphine à haute dose, les trucs qui te font vraiment. Ah, mais moi, je crois que je termine par l'héroïne. Je crois que je termine. Mais le LSD, franchement, je pense qu'il n'y a pas de. Enfin, il doit y avoir un petit plaisir, mais le risque. À mon avis, l'héroïne, tu peux pas faire un bad trip. Alors que le LSD, tu as quand même une petite chance de trouver ça nul, comme la weed un peu forte. Donc, du coup, je sais pas Oui, si mais genre. c'est pour ça que je le fais pas en temps normal, tu vois. Mais je pense que si j'ai l'occasion d'en tester plusieurs, ouais, je commencerai par ça.
ou des champignons très très forts. Parce que j'ai pris une ou deux fois des champignons et ça, bon, j'ai pas trop apprécié l'expérience. Bon, enfin, c'était une omelette, ça n'avait rien à voir et c'était pas de la drogue en fait. On était chez Maurice. Non, c'était des girolles qui étaient dans des pâtes aux girolles et bon, c'était bon. C'était bon. Mais ça m'a pas. Voilà. Par contre, le pinard de chez Maurice nous a dégagé. Oh, ah, bah, c'est comme le LSD. Il y a une expérience presque extra-corporelle. Non, mais ouais, je pense que je finis à l'héroïne, en effet. Il y a un truc fascinant, tu sais, avec ça. C'est la seule qui me tente, moi, l'héro. Mais en fait, même pas l'héro, la morphine, carrément. Ils ont l'air de trop kiffer, les gens qui se font injecter de la morphine. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, je trouve qu'il y a un petit côté, artiste maudit à la Philippe Seymour Hoffman, tu vois. On te retrouve dans ton grand hôtel de West Village à Manhattan. Ah ben non, mais moi, ce que je trouve, dans ce cas, ce qui est plus stylé, c'est l'opium. T'as une seringue encore dans le bras. Ben, ah oui, fumer de l'opium. Ah ouais, avec deux Asiatiques mineurs autour de toi qui te le donnent comme dans... Ouais. C'est dans Il était une fois en Amérique, qui se déboîtent à l'opium. C'est ça, et tu leur donnes une pièce comme ça, une piécette, et t'apportes de l'opium. Et... Ouais, j'avoue que l'opium, il y a un truc. C'était pas Raymond Barre ou je sais plus quel politique français qui avait avoué qu'il s'était éclaté aux fumeries d'opium? Je pense qu'à une époque, ça devait être. Non, mais assez, c'était un truc totalement. Raymond Barre, je crois. Raymond Barre, je crois qu'il avait goûté à l'opium. Je crois mais à mon avis, c'est loin d'être le seul. Mais je sais pas. C'est ça. Raymond Barre a goûté à l'opium. Voilà. Mais tu vois, j'ai l'impression. Et opium, il y a un petit. Il y a encore plus un petit danger sympa, tu vois, Alan Poe, il y a un petit côté gothique, ouais, ça me plaît aussi. Ah oui, non, c'est cool. Et les pipes sont plus belles que les pipes à crack. Oui, non, oui. Là, les pipes à crack, bon, esthétiquement... Les pipes à crack, vous partez de l'instrument qui sert à fumer du crack, pas les meufs sans dents qui te proposent leur service pour Exactement. Avoir du crack. Exactement, je parle d'une petite pipe à crack. J'ai testé, mais tu vois, j'en ai testé un sur deux et je ne vous dirai pas lequel. mais on a tous compris. Non, mais bref. Mais c'est le même je pense que. Qu'est-ce que tu penses de la situation dans Paris les Krakos. J'ai lu tout un article. Ils les ont virés des jardins des Halles, qui étaient juste à côté de mon ancien chez moi. Et il paraît que là, c'est la merde. Et du coup, j'ai lu tout un article où des mecs ont carrément fait une milice. Pour aller les tabasser, en fait. Ouais. Et parce que ça va... Ils sont... En gros, sont à bout, j'ai l'impression. Il y avait plus ou moins des Kaira qui... En gros, ils parlaient d'une bande de jeunes qui parlaient fort. Je vois très bien qui ça pouvait être dans la rue autour de ça. Et ces mecs-là étaient en train d'expliquer qu'ils devenaient... Qu'ils étaient passés de paria du quartier, parce que tout le monde leur disait de fermer leur gueule et d'arrêter de traîner dehors, à nouvelle milice parce qu'ils vont défoncer des Krakos. Du coup, maintenant tout le monde est qui. Et que du coup, les mecs les aiment bien. Ils ont envoyé une armée de Kaira qui traînent en bas des kebabs à fumer des joints, défoncer les gars plus chiants qu'eux. Donc c'est shit versus crack. Ouais, en gros, mais c'est trop drôle parce qu'effectivement. Quelle ville incroyable. Et du coup. Parce que j'ai vu des riverains qui ont acheté des mortiers, enfin des feux d'artifice, tu vois, et qui tire sur les mecs et tout. Il y a deux trucs que j'ai lu dans l'article qui m'ont fait marrer, bien que pas drôle. En gros, ils expliquent que les Krakos viennent t'accoster pour te demander de l'argent et en fait, ils te jugent. C'est à ce moment-là, ils essaient de voir si physiquement, t'es plus au point qu'eux ou pas. Et le mec disait juste dans l'article, si tu vois que non, cours. C'est tout, t'as que ça à faire. Et il y a aussi un craquet qui... Enfin, faut que ce soit un néo-craquet alors, parce que les plus anciens, ils sont pas bien vaillants. Quoi. Ah oui, c'est ça, mais c'est pour ça que justement... Agressif, mais pas forcément... Ils jugent, mais effectivement, souvent, ils comprennent que même face à une vieille dame, ils ont vraiment un physique de merde. C'est pour ça qu'ils m'ont jamais fait peur, effectivement. J'en ai jamais vu un assez agressif et assez costaud pour me faire flipper. Mais il y avait un autre truc qui me fait marrer, c'est qu'ils prennent aux petites vieilles. C'est qu'en gros, ils appelaient les... Ouais, qui l'ont bien mérité, c'est connu. Oui. Non, ça c'est. Oui, bien sûr. Mais non, il parlait de certains crackheads comme des poules, parce qu'en fait, en gros, c'est des mecs qui retournent n'importe quel caillou, parce que dès qu'ils voient un caillou blanc, ils pensent que ça peut être du crack. Les mecs, les autres les appellent les poules.
Genre, ils marchent comme des oufs et tous les oufs. Oh, juste... oh non, c'est juste un quai. Ah, c'est juste de la merde. Ok, d'accord. Et... bon, là, on Quel est. cauchemar. Non, mais Je c'est rigole, mais c'est infernal. Hein, affreux. C'est affreux. Mais ouais, le. y avait un podcast, je crois, d'Arte, il y a très longtemps, il y a plusieurs Cracopolis. années. Cracopolis. Et voilà, Cracopolis, peut-être on en a déjà parlé On ici, en a d'ailleurs. déjà parlé. Mais ouais, Cracopolis, il y a un truc. Il y a un truc incroyable dans ce qu'il raconte, tu vois, d'organisation parallèle, de quasiment une deuxième ville dans la ville, sous terre, avec ses codes. Enfin, c'est. Ah non, c'est On sent, fascinant. l'ampleur de ça est assez hallucinante. Est-ce que tu as des sujets? J'en ai plusieurs, moi, Non, bon, écoute, pas spécialement. des petits sujets. Alors, est-ce que tu as déjà eu ce truc de t'entends une chanson, genre un peu de loin, genre tu es à l'arrière de la voiture, tu commates et t'entends un truc pas fort, et ça te fait penser, et ce que tu entends, en fait, c'est pas la vraie chanson, mais en fait, avec ton coma plus ce que tu entends vite fait, ça recrée une espèce de troisième chanson qui n'est pas la vraie chanson en fait. Et du coup, tu vois ce que je veux dire? Après, d'un coup, ça remet fort et tu dis, oh, mais c'est pas vraiment ça que j'entendais Si en tu fait. t'es mis à l'héroïne, on peut en parler aussi, hein. Bon, bah, je. Bon, bah, allons-y. Alors attends, alors tu entends un morceau, mais t'es un peu endormi ou t'es loin, et donc tu comprends Et un du coup, autre morceau, en fait, dans ta tu crois tête. reconnaître un autre Non, morceau. ça fait pas ça fait pas un morceau, ça fait pas genre un morceau que tu connais. C'est juste que tu entends une musique, tu dis, ah, sympa cette musique. Et en fait, c'est ton cerveau qui crée cette musique par rapport au bruit de ce que tu as. Et quand c'est plus fort, en fait, c'est pas exactement ça que tu entendais. Et moi, ça m'est arrivé de me dire, waouh, trop bien cette chanson, c'était pas la chanson. Tu vois, je pense que Non, ça peut arriver à d'autres gens. là, j'avoue que pour peut-être la première fois Non, non, de il y tout ce a. podcast, Non, tu m'as perdu. non, il y a eu un autre truc. Il y a eu deux, trois trucs comme ça dans le podcast où je t'ai perdu. Il y avait le truc de ma meuf là, avec les gens qui parlent comme Lilo et Stitch, que j'ai jamais réussi à prouver Oui, à mais alors personne. ça, j'ai vu que t'as pas retrouvé, mais je pense que j'aurais pu comprendre. Tu vois, je me Mais. dis peut-être, Bon, bah mais n'ayant écoute, pas vu Lilo et fallait... Stitch. fallait bien que ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie. Ça m'est re-arrivé il y a pas longtemps. D'accord, et Mais. du coup, est-ce que t'as un exemple concret? Genre, t'as entendu quoi? Ça t'a fait penser à quoi? Et en Ben, fait, tu t'es non, tout trompé. ça peut pas être concret. C'est juste que dans ta tête, t'entends un morceau. Non, mais par contre, c'est dommage parce que tu te dis, Ah, ah, genre, tu le connais pas, tu le connais pas. tu connais pas, non. Tu connais pas. C'est juste que Ah, ok. ce que t'entends, ça fait un truc différent de ce que c'est. Et oui, Et et tu dis, ah, pas mal, t'écoutes et en fait, c'est de la merde. c'est Ou c'est pas ça. ce que Mais du t'attendais. coup, le troisième morceau, enfin celui que t'as créé dans ta tête, eh ben, il n'existe pas. Il n'existera jamais. Il faudrait que tu le. Et ouais, c'est super triste du coup. Et quand tu es un peu musicien, comme on peut l'être, et ben, du coup, je me dis, mais je suis sûr avoir entendu parler un Du autre coup, musicien. faudrait que tu le recrées, quoi. Que ce soit Cobain ou peut-être un mec de Pink Floyd, mais je suis sûr que c'est un truc dont d'autres musiciens ont parlé. Voilà, bon, bref. D'accord. Je n'ai pas T'as pas du tout compris vécu cette expérience. Si j'ai compris, mais je Mais ne l'ai pas du tout bon, bah vécu, voilà, en tout cas. si ça arrive à d'autres gens, sinon, bah, allez vous faire foutre, hein, Ouais, effectivement, voilà. Non, pas mais chez attends, moi. y a tous les coups, tu peux pas non plus tomber juste à chaque fois. Hein. Est-ce que ça t'énerve pas Ouais. dans la vie, mais je crois qu'on en a déjà parlé aussi, mais en fait ça revient tout le temps dans ma vie, je ne supporte plus l'argument de quand quelqu'un dit un truc qui peut être vrai, les gens au lieu de lui dire c'est pas vrai, en fait les gens ne discutent pas l'argument, mais la personne qui le dit, en disant bah, tu peux pas me dire ça, oh bah lui il fait bien de nous dire ça alors qu'il a fait ça. Et en fait ça m'agace trop. Par exemple... Je sais pas Oui, c'est une des techniques de rhétorique pour pas rentrer dans un Mais débat c'est. quand tu sais que Mais. t'es foutu, quoi. Ouais, non, mais même pas. En fait, c'est pour de vrai, on a du mal à. Genre, Hitler viendrait t'expliquer, oh bah, sois plus sympa avec ta mère. Tu dis, ouais, Hitler. Ça va te faire enculer. Oui, parce que Alors qu'il aurait t'aimes raison. pas recevoir. Oui, mais t'aimes pas recevoir des leçons. Je comprends, t'aimes pas recevoir des leçons, donc tu te dis, pour que je puisse recevoir une leçon, il faudrait que ce soit de la part d'une personne irréprochable, parfaite, qui n'a rien à se reprocher. Ce qui est con, parce que Bah, tu vois, personne n'est parfait. c'est ce que je sens un peu avec mon vieux Macrotte, c'est qu'il y a, à mon avis, il y a des gens là qui le détestent tellement qu'ils sont incapables de voir que, par exemple, le vaccin, c'est plus un truc Oui. cool qu'un truc pas cool. Et que là, en Oui, mais fait. depuis le début de la crise sanitaire, il y a eu des choses comme ça, tu vois. Même s'ils ont géré n'importe comment au début le masque, il y a des amis de ma mère qui refusent de mettre le masque, même quand ils vont voir leurs grands-parents ou quoi, tu vois,
parce que on n'est pas les chiens-chiens à Micron. Ouais, c'est... Et tu leur dis, mais c'est pas pour Macron que tu vas mettre un masque. Oui, mais ils ont l'impression de perdre. C'est pas ça, là. Ma mère... Ils ont l'impression de faire une concession à Macron. Ben ouais, c'est... Ce qui n'est pas le cas. Non, oui, c'est ça, c'est bizarre ce truc d'arriver à un tel point de haine que non, ben on fera pas ce qu'il a dit, Microte. Ouais. Mais alors après, ça nous emmène quand même au vrai sujet urbain. Qu'est-ce que ça te fait de te réveiller ce matin en dictature ? Ben, comme je t'ai toujours dit, moi je suis, et je pense que c'est la plupart des gens, mais ils ne veulent pas se l'avouer, tout le monde, je pense, est en fait pour la dictature. Ils ont juste peur que la dictature ne soit pas des gars en place qui pensent ce qu'ils pensent. Mais je pense que plein de gens, si on leur dit, bon, t'es quelle couleur politique, toi ? Bon, ben, ces gars-là, et c'est toujours eux qui géreront le business. Toujours. Et je pense qu'il y a plein de gens qu'en fait, ils n'aiment pas la démocratie, ils aiment le... bon, si c'est un gars que j'aime pas, un jour peut-être j'aurai le droit de foutre un gars que j'aime bien. Mais ouais. Ils ne sont pas attachés fondamentalement aux valeurs de la démocratie, celle qui dit eh ben, que même si ton gars, tu le kiffes trop, eh ben, dans 5 ans, il dégage de toute façon. Et d'ailleurs, il ne peut même pas se représenter. Je ne suis pas sûr que les gens soient... Ouais, alors, il y a une différence entre avoir la personne que tu soutiens politiquement au pouvoir et ce qu'ils sont en train aujourd'hui de déclarer en disant c'est une dictature, à savoir, tu vois, on est sur quelque chose de plus coercitif et autoritaire. Mais c'est génial. Le mec... C'est assez plaisant. Non, mais il y a une bascule, non ? J'ai quand même l'impression qu'il y a une bascule son discours. Ouais. Où ça a entériné, tu vois, le discours complotiste que les gens avaient Quoi, ça l'a tué. On s'est vraiment rendu compte qu'ils sont vraiment peu. Moi, j'ai une petite passion pour tous les gens qui sont du coup allés se faire vacciner sur Doctolib parce que eux, je les respecte vraiment pas. Autant les anti-vax, je suis pas d'accord avec eux. Qui tiennent un peu leur ligne, quoi. Mais ils ont des convictions. Mais ceux qui disent, oh non, ah oui, le rosé en terrasse, ouais, d'accord. Non, mais dans ce cas, je vais le faire. Et c'est ouf. Oui, c'est exactement ça. Et c'est, à la limite, une grande partie des gens qui l'ont élu il y a 5 ans, c'est des gens sans conviction, tu vois. Qui sont dans la réaction, sur la forme, sur l'esthétique presque de ce jeune candidat un peu cool, et qui sont superficiels. Mais là, c'était hallucinant. C'est-à-dire qu'une fois que tu as écrémé le nombre de personnes qui ont fait tomber Doctolib en se disant ah oui mais alors par contre ok mais moi je veux partir en vacances et je veux aller au bar et machin, il reste un noyau dur qui est incroyable. On a parlé de Kim Glow il y a quelques temps quand on était en confinement, qui doit être une abrutie sortie de télé-réalité mais qui est débile et qui poste des dizaines de vidéos de stories et ça y est, on est sûr, je vais vendre ma maison, je vais quitter la France. On est en dictature. Moi j'adore. Franchement, la petite radicalisation là encore, elle est fascinante à regarder. Si je pouvais, moi j'adore que ce soit Philippot et ses manifs à 4 mecs. Incroyable. Non mais c'est génial. Incroyable. C'est génial parce que là, on en est au point où vraiment ils ont plus un gars crédible. C'est-à-dire Bigard, Philippot, Lalanne. Il y a que Jean-Luc qui dérape un peu là-dessus, mais il a pas trop compris qu'à mon avis dans les gens. Il est discret en ce moment, non ? J'ai l'impression. Mais il est obligé parce qu'en fait il aimerait. Pareil, lui c'est un anti-macrotte chevronné, donc il peut pas il veut pas perdre des points en disant qu'il est d'accord. Il sait qu'il perdrait des gars. Mais en même temps, il est pas con, je pense. Parce qu'on a failli le perdre à un moment quand même. Tu sais, il a évoqué de manière très très maladroite, disons, le fait qu'avant les élections il y aurait des attentats qui seraient instrumentalisés, et sa manière de le dire c'était que c'était des faux attentats, tu sais, des false flags. Non mais il a été particulièrement alors que c'est un discours, tu vois, bien expliqué, qui s'entend sur l'instrumentalisation de ce qui se passe avant chaque élection. C'est intéressant. Oui, non, sauf mais que lui sous-entendait que c'était fait pour ça, quoi. En vrai, mon JL, je l'aime bien, mais il veut pas trop le dire parce que ça va le baiser. Mais il est complot. Là, ce qu'il a lâché, c'était un petit bout de ce qu'il pensait. Je pense qu'on est encore qu'au début de ce vers quoi il peut glisser. Et sur la manière dont les médias le traitent, et c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours cool avec lui, notamment quand il commence à augmenter dans les sondages,
Mais il est complot. Franchement, Ouais. c'est peut-être mon. On a vu que le début, quoi. Oui. Mais ouais, bon, bref, on va pas parler de. On arrête la politique, c'est Politique. chiant, allez, on arrête les politiques. Ah, on arrête les politiques. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre sujet? J'avais noté des petits trucs. Bon, j'avais novembre, juillet en novembre, mais ça, c'était il y a une semaine. Et là, c'est déjà une blague sur Twitter, le fait que ça soit une blague de merde. Donc, j'arrête. Ouais, parce que ça a beaucoup beaucoup tourné. Voilà. Mais c'était C'était quand super même drôle. Il y a enfer une et semaine, quand je l'ai noté, c'était super drôle. Mais ouais. c'est vrai que là, on est déjà passé. Parce que c'est. Mais en même temps, totalement vrai. Là, on est vraiment. Bon, on peut pas être plus. Non, non, mais écoute, passons. Si on dit que c'est trop tard pour cette vanne, ok. Ouais, c'est même pas une vanne, c'est un vrai constat, quoi. Vraiment, il fait Oui. froid, il fait gris, c'est nul. Après, c'est peut-être qu'à Paris, j'ai vu que dans le sud, ça allait, en fait. Oui, c'est ça, c'est chez nous, mais avec notre petit réflexe parisiano-centré, Bien sûr, de merde, de merde, de de petite connard, merde. de connard, voilà, de connard, Voilà. donc il faut le dire. Voilà. Alors, c'est marrant, vas-y, pendant que tu cherches, Ah si, je vais oui, faire si, un si. petit jeu. Si, j'ai. Ah merde, c'est con, il faudrait que je retélécharge l'appli parce que j'avais acheté Aïe, la aïe. version gratuite de Sleep Talk. Ah! Eh ben, ça marche avec l'application gratuite, hein. Non, oui, mais il a fallu que je paye parce que, en fait, ça marche, ça t'enregistre que 3 heures. Et après, j'ai Non, payé. en fait, non, en fait, non. En fait, non. Si, Il y si, a une après, faut telle. débloquer. Non, je l'ai fait. Non, 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 non. En gros, si tu effaces ceux qui servent à rien, les silences, les moments où tu as juste lâché une caisse ou ronflé, ça te remet ceux d'après, ça te les remonte et tu peux avoir tous les trucs intéressants dans la version gratuite. Bref, je En t'expliquerai. tout cas, les 3 jours où je l'ai eu, j'ai oublié de m'enregistrer, mais ce que je voulais te montrer, et que j'aurais voulu balancer, mais d'ailleurs, toi, tu pourrais peut-être le faire si là, tu prenais la version, si tu payais et juste et que tout de suite, tu te désabonnais, parce que tu as 3 jours gratuits, donc tu ne paierais pas, c'est qu'il y a les best-of, et ils sont incroyables, c'est que anglophone. Mais vraiment, bah déjà, il y a les plus gros prouts du monde. Vraiment, j'ai passé 1 heure. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Sleep Talk, c'est une appli où on en a déjà parlé, où des gens, enfin, tu mets ton téléphone, ça enregistre ta nuit, et dès que ça fait du bruit, ça capte. Du coup, tu as tous les moments où tu parles, où tu bouges. Et du coup, là, il y avait les meilleurs, encore anglophones, hein, mais les gens peuvent voter. Donc, t'as les gens qui parlent dans leur sommeil, qui pètent un câble. Et franchement, dans le top 10, c'est à peu près que des proutes. Et genre, la meuf d'à côté qui hurle que c'est un connard. Mais c'est férocement drôle. Hein. Vraiment, si tu peux, là, prendre Bah écoute, l'appli. moi j'avais suivi une meuf sur Twitter. C'était peut-être pas la même appli, mais qui partageait ça, qui parle beaucoup dans son sommeil, et c'est vrai que c'est incroyable. Alors, je crois que je l'ai là. Je crois qu'elle Parce qu'il y a un s'appelle. onglet best-of en fait. Et les gens votent en fait. Ouais, c'est ça. Et Attends. Bon, on fera sur le prochain épisode. Je regarderai. Mais ouais, il y a du très 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 lourd. Alors moi c'était très chiant. Je l'ai fait 3 nuits, ah voilà. Ouais, 3-4 nuits, rien. et bah rien, vraiment rien, vraiment juste des bruits de drap, des bruits d'oreiller qui se retournent. Mais c'est ça, mais Et je c'est à mon avis, n'ai t'as pas pas. dit un mot de la nuit, jamais, quoi. Putain, moi ça me ferait peur quand même, ça me ferait peur. De quoi? De parler la nuit? Mais... Ouais, d'écouter ce que j'ai dit et tout. Bah, tu devrais faire. Tu crois que tu parles? Ah oui, voilà, c'est ça. Attends, j'ai retrouvé une vidéo où le mec a des meilleurs. Je regarde si c'est des bons. Bon, écoute, on va. C'est le plus connu, c'est un mec qui dit I hate this giraffe, it always wants to bite you, en pleurant. Et t'imagines comme il est deep dans son rêve, ce mec Et a le mec poule. ne sera jamais marié, quoi. Le mec a plus. Ben là, on entend sa femme à côté qui lui dit, mais il y a pas de girafe, ta gueule. Ah, il a quelqu'un avec lui, putain. Ouais. Mais t'as vu comme il pleure? Genre, il pleure dans son sommeil. Oh, that
fucking toi, ta meuf, t'as jamais dit que tu parlais? Si, des tonnes de fois. Et t'as pas des trucs que t'aurais dit? Bah si, bah, déjà avec une ex que je trompais, j'ai dit le nom de la nouvelle. Donc figure-toi que le cliché de film où elle m'avait dit mais c'est qui cette Marie, c'était totalement une meuf que c'était ton subconscient qui voulait. Non mais en gros, non mais c'était même pas mon subconscient. C'est la vérité, tu ouais, vois. Donc c'est un truc de ouf. Donc ouais, faut pas commencer à lâcher des doses dans son sommeil, hein. C'est relou. Hein. Ouais, ça peut devenir. Ouais, bah écoute, moi je parle pas. Je sais que ma meuf deux trois fois elle m'a fait un peu peur, quoi. Genre, je me souviens d'une fois où elle a hurlé « Non, pas dans le maïs! Il faut pas aller dans le maïs !» Je me suis dit « Putain, mais... est-ce qu'il y a des tueurs? Est-ce que c'est une moissonneuse? Est-ce que... Non, mais c'est, pas. C'est, ouais. Moi, ça me fait penser à la girafe. C'est souvent une panique totale sur un truc complètement con. C'est, ça et des proutes. C'est vraiment que ça, l'appli. Ouais. Mais j'aime bien... moi, ça me fascine. Je t'avoue que tout ce qui est somnambulisme, les trucs inconscients que tu fais comme ça... Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais ado, j'ai eu des petites phases bizarres, tu vois, comme ça. Et j'en parlais souvent avec des potes. Et du coup, je ne sais pas si c'est un truc lié à l'adolescence, mais par exemple, moi, j'ai très clairement commencé un livre un soir. Et le lendemain matin, en me réveillant, il était fini. Tu vois, le marque-page était fini. J'avais tout lu. Et j'avais lu ça, j'en ai aucun souvenir. Mais je connaissais l'histoire, je connaissais le truc. Et j'en ai parlé à pas mal de potes et je me souviens d'une meuf qui m'avait raconté qu'elle elle s'était réveillée intégralement recouverte de petits morceaux de scotch. Elle avait découpé du scotch et elle s'était foutue sur les bras et partout, quoi. Et je sais pas, je trouve ça assez fascinant. J'avoue qu'il y a un petit mystère là-dedans. Et le truc où on a du un truc blanc qui colle là partout sur le... Bien sûr, bien ça... sûr. Tu, ah non, tu veux mais... en parler ? Non mais c'est parce... en fait c'est parce que je m'étais branlé. Non, mais ah oui. Je m'en souviens très bien en plus. Je pensais à toi, donc enfin, moi, je m'en souviens très bien. Pardon. Well. Alors. It's been like 50 minutes. So what's the next subject? Non. Ça fait combien de temps? Je sais pas. 40, je dirais. 36. Ça va. Tu m'as fait peur. 50 minutes. Mm. On s'excuse d'ailleurs pour nos non anglophones parce que nos accents sont tellement bons qu'à mon avis ils ont rien compris les mecs. Est-ce qu'on peut avoir du sous-titrage podcast? Comment ils vont faire les non-anglophones? Je sais pas du tout. Bon, écoute, ils auront avancé pour voir jusqu'où on a tenu la blague. Attaque du maillot jaune. Voilà, je te le dis. Peut-être que tu regardes pas, mais là, je te le dis. Non, vraiment, attaque du maillot jaune. Tour de France, j'y arriverai jamais. Ah, ça t'a intéressé une année, il y a 2-3 ans quand même. Il faudrait vraiment qu'il y ait un Français qui aille loin, quoi. Avec Alpha Philippe, c'est vrai que tu étais assez... Ouais. Quand même, ouais. Ça t'a un peu intrigué, cette affaire. Alors si, je voulais te faire un petit jeu, mais malheureusement, j'avais tout préparé, tous mes onglets, puis j'ai tout fermé, puis j'ai eu la flemme de les rouvrir. Yes. Je voulais te lire des commentaires YouTube et que tu me dises de quelle vidéo c'était sorti. Ah merde, j'aurais adoré. Et ça me fait chier parce que bon, j'en ai plus qu'un d'ouvert. Et le commentaire que j'avais sélectionné, c'est perso, j'ai 16 ans, je suis un jeune de cité, mais j'aime bien, ça me fait voyage. Ok. Donc, c'était une chanson française de merde, c'était que de la musique. Ok, donc c'est une chanson française de merde. Est-ce que c'est voyage, tout simplement? Non, c'est vieux. Est-ce que c'est Emmenez-moi d'Aznavour? Presque. Presque. Est-ce que c'est... Enfin, c'est Aznavour, mais c'est pas Emmenez-moi. Est-ce que c'est La Bohème? C'est La Bohème, putain! Yes. Yes. Vache. Mais parce qu'en fait, je suis... Mais d'où ça sort? Je suis... Bah, parce que mon gars, j'ai lu tous les commentaires de YouTube. Je fais ça la nuit en me mettant des bouts de scotch. Incroyable. Aujourd'hui, pour moi, ce morceau a du sens. Au revoir, mon gros sac. Est-ce que c'est Mon Vieux de Daniel Guichard? Non. Au revoir, mon gros sac. Avec un smiley triste. Est-ce que c'est Mon Gros de Daniel Guichard qu'on connaît moins sur Super Obèse? Mon Gros, il n'arrivait pas à se lever. Il y avait toujours les pâtés de foie. Et parfois au petit déjeuner, mon gros.
Non, donc c'est encore une chanson Ce française. morceau a du sens, que des morceaux français. Au revoir, mon gros sac. Bon, est-ce que c'est un morceau sur la mort? Oui. Est-ce Mais que... pas d'un être humain. Le petit chat est mort? De Renaud, exactement. Yes. Putain, t'es pas mal hein, sur ce jeu. Bah vas-y, Alors attends, moi. j'ai deux mémoires. Alors je continue. Parce que parfois c'est un peu. Non, parfois c'est trop triste. Mais C'est c'est pour ça que toujours je suis même pas quand allé voir t'es... mon vieux de Guichard parce Mais que. c'est ceux qui me font hurler de rire, c'est ceux qui sont... Parce que je trouve ça tellement marrant, les gens qui se disent on va aller sur YouTube et dire que le petit... C'est l'anniversaire de la mort de machin, enfin, fait un moment... Alors, un peu facile. Dominique, je suis du sud du Languedoc, mais présentement, quand j'écoute cette chanson, j'ai le cœur serré et l'émotion m'envahit. Ma femme partie là-haut était d'ici quand je l'ai connue. Smiley, émojique. Alors, donc c'est les charrons. Les corons. Les corons. Les corons de Pierre Bachelet. Yes. Putain! Bah oui, évidemment. Non, mais c'est incroyable. T'as peut-être un super pouvoir. Il y a peut-être un talent C'est que. peut-être un super pouvoir. Non, mais là, c'était facile parce que j'allais dire le sud, et puis non. Mais en fait, c'est juste que les standards de chansons françaises de merde, t'as une chanson par sujet. La chanson française, voilà, le petit chat est mort, c'est la seule sur les morts d'animaux. Il n'y a qu'une chanson sur le nord de la Quand France. même, quand même, quand même, quand même. Il n'y a qu'une chanson. C'était pas du playback. Aujourd'hui, ils nous vendent leur progressisme à la con, Yes. mais moi, je voudrais acheter le rétro. Gardez vos voitures volantes de 2020 et laissez-moi le vélo de 1978. Le vélo de 1978? Ça n'a aucun Ah, rapport donc c'est pas donc avec la chanson, c'est pas la mais bicyclette. la chanson date de 1978. Mais alors, pourquoi il dit ça? Ce n'était pas du playback. Ils nous vendent leur progressisme. C'est pas facile, je pense que tu peux pas trouver. Attends, mais 78, 78, 78. 78. Ça peut être soit Balavoine, soit Eddy. C'est du C'est Balavoine. du C'est du Balavoine. Balavoine. Putain. Et Et merde! On était jeunes. Nous, quand on était jeunes, voilà ce à quoi on rêvait. Le truc d'en dessous. Ouais, donc c'est pas Mon fils, ma bataille, c'est trop sérieux. C'est pas. Ben c'est, est-ce que c'est Je m'appelle Henri? Non. Est-ce que c'est. J'en connais pas beaucoup en fait, de Balavoine. Est-ce que c'est Tous les Ça cris fait des partie d'une SOS? comédie musicale. Ah oui, bien sûr. Donc c'est quand on a, soit quand on arrive en ville. C'est ça, Quand on c'est arrive en ça. ville, Quand évidemment. on arrive en ville. Ok, alors Je suis prêt là. une dernière sur un classique, un classique des classiques en termes de commentaires tristes. Oh putain, là j'en ai trois. Je l'ai modifié un peu parce que parfois il donne le nom de la chanson dedans, mais voilà. Ma fille est partie il y a déjà 16 ans. Elle avait 26 ans. Deuxième commentaire. Pour mon grand-père. Les sardines de Suis allé voir les commentaires des sardines pour préparer le jeu et c'est beaucoup d'étrangers qui disent j'ai rien compris, mais c'est trop bien. Ah oui, je comprends. Mais c'est une vibe, hein. C'est un Deuxième son, hein. commentaire. Pour mon grand-père qui nous a quittés à cause du Covid. Putain. Et troisième commentaire, mon fils adoré, ça fait déjà 9 ans aujourd'hui que tu es parti. Je pense à toi tous les jours, mon chéri, je t'aime. Pour mon père, parti il y a un an le jour de Je vais te Noël. baiser, je vais te baiser. Je l'ai. C'est Puisque tu parles de Jean-Jacques Goldman. Pas du tout. Ah putain, merde! Mais alors, en fait, c'est l'intégralité des commentaires. Pour mon père parti il y a un an le jour de Noël, il s'est écroulé dans la neige. J'avais 13 ans. Oh non! Voilà 5 mois que tu es parti et c'est de plus en plus difficile. Je t'aime. Pour ma mère qui avait toujours cette chanson en tête et qui a été diffusée comme elle le souhaitait à son enterrement. Quelle belle chanson pour tous nos disparus. Peut-être pour Quelle ça qu'elle est douceur. morte aussi, c'est peut-être pas normal d'avoir toujours la même chanson en tête. Je suis confiné. Je suis seul et j'ai peur. Oh là là. Si quelqu'un me lit, qu'il m'envoie un j'aime. Je vous aime. Oh mais Oh. on vous aime Oh. tous, on vous aime Pour tous tous. ceux qui sont partis à cause de ce coronavirus. Non mais attends, sérieux, ces connards de virus? Non.
pour toutes les victimes du Covid, reposez en paix. J'aime beaucoup cette chanson merveilleuse. Elle me rappelle mon mari parti trop tôt dans un monde meilleur, suivi de mon fils 5 ans après. Putain. C'est l'enfer. Mais c'est quoi cette chanson sur la mort, là? Moi, je connais que Puisque tu parles. Elle passe à tous les enterrements. Pense à un gars qui fout les poils, parti trop tôt lui aussi, avec des harmonies. C'est un spécialiste des harmonies. C'est incroyable ce qu'il a fait avec un piano. Il n'aurait pas dû jouer au tennis. Mais si, tu sais. Je suis sûr que tu sais. Berger ? C'est exactement Michel Berger. Et qu'est-ce qu'il y a comme chanson de Berger sur la mort ? Mon grand-père s'est fait assassiner. Je t'aime, papy. Oh. Tu resteras à tout jamais dans mon cœur. Mais attends, je vois pas la chanson de Berger sur la mort. Le paradis blanc. Ah, oui, d'accord. Okay. Tout simplement, le paradis blanc. Mais moi, je pensais que c'était sur la chenouf. Il n'y a pas un commentaire positif dedans. Bah ouais. C'est une chanson très. Est-ce que t'as vu en parlant très, très fort. Merci. Tiens, on va embrayer sur la chenouf et mon Christian Clavier. Est-ce que t'as eu un petit fou rire sur le truc que je t'ai envoyé? Ibiza. Quelle est la phrase exacte? Je trouverai plus la phrase exacte. Chérie. Ils ont encore essayé de me vendre de la chenouf. Ils ont encore essayé de me vendre de la chenouf. Il y a celui-là qui a encore essayé de me vendre. Ah ouais, c'est Martin. On a encore essayé de me vendre de la chenouf. La chenouf. Alors, ça m'a fait. Je crois que je vais regarder ce film, vraiment, parce que je t'avoue que moi j'aime bien Christian Clavier. J'aime bien et comme beaucoup de gens sa période 90 et donc ça strike jusqu'aux Anges Gardiens. Le run, on va parler du run de Clavier dans les années 90 avec je te rappelle mon film préféré que tu ne mets pas Cornet Beef. Non, que je ne comprends pas que tu ne c'est les Anges Gardiens parce que le meilleur de cette période c'est les Anges Gardiens mais bon. Voilà, alors je te dis moi les Anges Gardiens je le revois avec plaisir, c'est juste que c'est celui que j'ai découvert le plus tard, pas vu à l'époque. Alors, moi, et du cassette, coup donc, il est plus compliqué et en même temps quand tu regardes Les Anges Gardiens, il fait exactement pareil que dans tous les autres films. Il fait pareil que dans Les Visiteurs, pareil que dans Ibiza. Il y a un moment où, il est au bord, il est à Taïwan sur un port et il dit là, une phrase, mais ça pourrait être sorti de Jacouille, tu vois. Le run de Clavier à partir de... C'est quoi? C'est Cornet de Bif, c'est quoi? 91. Alors, juste avant... Non, on va commencer à Cornet de Bif. Vas-y, partons du début. Donc, Cornet de Bif. Après, il y a L'Incroyable Voyage, que je connais pas, mais qui doit être un sérieux. Bim, et là, ça enchaîne Les Visiteurs, La Soif de l'Or, La Vengeance d'une Blonde, Grosse Fatigue. Putain. Ah, il est dans Grosse Fatigue. Les Anges Gardiens. Donc là, déjà 92-95, c'est que des cartons, c'est que des tueries. En 3 ans, ça, putain. Après, il fait... Ça commence à baisser. Panique au Plaza, que j'ai pas vu. Les Sœurs Soleil, que j'ai vu, qui est une belle merde, avec Clémentine Sélarié, qui a des énormes gueules dedans. Ouais, on aime bien Clémentine Sélarié. Ouais. C'est la phase où il cachetonne, il signe tout ce qu'on lui propose. Après, il prend, quoi. Visiteur 2, Astérix 1, Misérable, Les Visiteurs en Amérique. Et là, il passe au gros là, il arrive sur du... Et là, rebond Astérix, Obélix, Cléopâtre. Et après, moi, je pense qu'il y a un deuxième run... Non, en fait, non. Après, c'est plus dur. Et après, je l'aime beaucoup dans... Arrête, qu'est-ce qui est sauvable derrière? Il y a son rôle dans Kaamelott, où il est très bon. Et puis après... Attends, là, dans le film qui vient de sortir? Non, Qui va sortir? Dans le film. Oui, d'accord. Okay. Donc, je n'ai pas le droit de parler sur les réseaux, et c'est ça que je voulais te dire, c'est horrible. Sûr. J'ai vu... Le film que j'attendais le plus au monde 20 jours avant sa sortie. Encore aujourd'hui, ça fait 15 jours. Et genre, j'ai encore une semaine à attendre pour pouvoir en parler avec d'autres gens. Alors que ce film, je l'ai plus attendu que Star Wars. Donc c'est vraiment un cadeau empoisonné. Ça va là, maintenant, c'est passé. Mais putain, qu'est-ce que c'est chiant. Mais par contre, tu n'as pas signé de clause de quoi que ce soit. Tu peux pas en parler parce que les gens l'ont pas vu. Oui, les gens l'ont pas vu. C'est ça. Je croyais qu'il t'avait fait un. Non, il m'avait dit qu'il fallait pas en parler sur les réseaux avant le premier. Mais bon, bref, j'en parle pas. Et puis de toute façon, les gens ils veulent rien savoir. Hein, les gens qui aiment Kaamelott. Non, c'est clair. Moi, je pensais qu'il y avait quand même plus de gros films aux années 90 finalement. Au final, je pensais qu'il avait eu un run un peu plus fourni aussi. Mais... Après, les années 80 sont pas mal. Hein. Le Père Noël est une ordure. Papy fait de la résistance. Twist Again à Moscou. Mes meilleurs copains.
En fait, c'est ça. C'est que son run avait commencé un peu plus tôt. Ouais, mais bref, et donc Ibiza, tu vois, ces films années 2010, évidemment que ça m'a jamais intéressé. Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et je sais plus comment il s'appelle, celui avec des Roumains qui avaient un nom scandaleux, qu'ils ont été obligés de changer. Convoi exceptionnel ? Non, ça s'est oublié, je l'ai vu. Non, c'est S'il vous plaît, Momo, un truc comme ça. Momo, ça, ils ont fini par ça s'appelait S'il vous plaît. Oui, et ils ont changé de nom. À bras ouverts. Ah, peut-être, ouais. Mais bon, bref, c'est toujours la même histoire, c'est insupportable. Mais Ibiza, en voyant le trailer, je me suis dit, j'ai peut-être besoin de ça. Après une année compliquée de confinement et de Covid, j'ai peut-être besoin de clavier qui crie « Ils ont encore essayé de vendre de H-loop hein, !» Tu vois. Peut-être. Mais ça, quand j'ai vu, il y en a une comme ça, par film, qui, genre, dans « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» C'est nul tout le temps, et à un moment, il dit... Il dit au mec, vous n'aimez pas le porc comme ça dans un dîner. C'est sûr que notre pote ferait porc. Tu sais que là, c'est incroyable parce qu'après, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Donc, il y a qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Il était dans Les Visiteurs. Un carton. Révolution. Il est dans un énorme carton par décennie depuis les années 70. Et là, cette semaine, sortait un film avec Thierry Lhermitte qui s'appelle Mystère à Saint-Tropez, qui sort aujourd'hui d'ailleurs. Avec Poulvord. Il joue un inspecteur ridicule. Non, mais... Et tu regardes la bande-annonce, il refait les mêmes vannes, et puis il va nous sortir Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, donc l'épisode 3, putain. Ouais, mais il s'en fout, parce que là, moi, je ne peux pas dire de Kaamelott, mais ce que je vais te dire quand même, c'est qu'à mon avis, ça va être un classique. Et il est dedans. Ah, quand même. Et... Ah oui, donc vous êtes. D'accord. Oui, moi je le mets. C'est... De toute façon, on le sait. Kaamelott, c'est déjà sur la lignée de Shabba, OSS, machin. C'est déjà culte comme ça pour beaucoup, beaucoup de gens. Mmh. Et le film ne va faire que asseoir ça. Et parce que là, le casting est quand même fou furieux. Shabba est énorme, Clavier est énorme. Moi je pense que. Donc d'accord, il a réussi. Pour toi, c'est une réussite. Ah, moi, c'est une réussite totale. Totale. Totale, totale, totale. Non, j'ai à revoir, hein, mais bon. Après, des fois, quand je vais tout seul au ciné, il m'arrive d'être bon public. Par exemple, je suis allé voir tout seul le tout dernier Star Wars le matin, pour 100 personnes, pour être cynique autour de moi. Et quand je suis sorti, j'étais surpris que les gens le trouvent aussi nul, en fait. Avec le recul, il est nul. Mais quand je me le prends plein, en fait, j'aime tellement le cinoche, quoi. Non, mais je comprends. Sagas et certains trucs. Et c'est pour ça, tu vois, que moi, je déteste donner mon avis quand je sors d'un film. Tu vois, déjà, je ne vais pas plus beaucoup au ciné, mais je déteste, tu sais, tu sors, tu te retrouves dehors, et alors, t'as aimé ? Et là, je suis incapable de donner mon avis, surtout. Enfin, quand j'ai détesté, je peux le dire. Mais par exemple, le Star Wars, c'était tellement matraqué, en plus, pendant 2 heures. D'explosion, de musique, de, tu vois, que c'est très compliqué d'être. Et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi bien, en plus des histoires pétées et du fanservice. Mais c'est comme les Avengers, tu vois. Je sais quand j'en ai trouvé un pourri, mais il faut du temps pour que je vois si j'en ai trouvé un bien, tu vois. Et au final, dans les Marvel, j'ai dû en aimer deux ou trois, tu vois, sur tous, et je les ai tous vus, et j'ai mis du temps à Marvel, j'arrive pas à m'y attacher. C'est le seul que j'aimerais... Mais non, mais c'est du fast-food, on le sait, mais... Mais non, mais c'est dingue, il n'y en a aucun que j'ai envie de revoir. Tu vois, pour moi, je crois que le Iron Man 3 m'avait fait marrer et était un peu différent des autres. Il y avait une petite patte différente. Moi, je me souviens sinon, avoir vu le premier Avengers en Espagne au ciné, dans un gros ciné, et m'être dit, ah ouais, là, on est quand même passer à autre chose. Enfin, j'avais vraiment kiffé le moment popcorn, mais c'est vrai, pas envie de le revoir. Et moi, Avengers, ça me casse les couilles, tu vois. Mais le premier, c'était le premier, donc bon, voilà, c'était là. Ouais, ouais. J'étais juste content qu'on ait passé un cap dans le ciné, quoi. Mais non, mais après, tu vois, en oubliant un peu la tartinade rétro qui est pas finaude, je trouve que Gardien de la Galaxie, le premier, était un peu frais. Et sinon, je réfléchis, mais j'ai pas. Non, mais moi je suis. Ouais. Mais en fait, quand tu sors du ciné, tu te dis pas ça. Tu te dis, putain, je me suis pris une énorme truc dans la gueule. Et puis en fait. Ouais. Bref. Et les franchises auxquelles on préfère Ibiza et les bons films français. C'est pardon, je suis désolé, ça sonne, ça veut les courses. Tu meubles pendant 2 minutes ?
Ah, carrément, d'accord. Bah écoute, Désolé, sinon, j'étais ce pas qu'on peut fort. faire, c'est Non, non, parce on peut que. se quitter Non, vu non, que ça parce fait que. une. Mais oui, mais là, vraiment, il vient de sonner. Donc j'ai une seconde. Donc Ok, vraiment, bon, bah vas-y, j'ai. file. Moi, je vais regarder le Tour de France avec les Costicos. Je vous mets le son. Alors là, attaque de Pogacar. C'est le maillot jaune. Il reste 2 km. On est dans la dernière ascension. Là, c'est très, très costaud. On est à 28 km/h. Ça relance derrière. Il n'y en a que deux qu'on puisse suivre. C'est Carapaz d'un côté, c'est Vingegaard de l'autre. Et ça relance, ça relance, ça relance. En chasse-patate derrière, qui on a David Godu. David Godu, un petit Français, il est sorti du top 10, mais là, il peut faire un beau saut général s'il ne se fait pas rattraper. Il est à 33 secondes derrière. À 55 secondes derrière, les autres favoris du podium. Ça coince un peu pour le peloton, on est à 3 minutes avec le maillot à poids. Ambiance. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'ils sont tous dopés? Est-ce qu'ils ne sont pas dopés? Est-ce qu'ils trichent? C'est l'éternelle question avec le vélo. Alors, c'est vrai que ce jeune Slovène, qui avait quand même gagné des tours dans sa jeunesse, ce jeune Slovène est surprenant. Ce jeune Slovène développe des watts rarement vus, fait des ascensions plus vite qu'Armstrong. On peut douter, d'autant que dans sa team, il y a quand même quelques personnes un peu louches et déjà condamnées pour dopage. Mais pour le sport, qu'est-ce qu'on se régale? Qu'est-ce qu'on se régale? Voilà, alors Alors, c'est bon, il a pris ses courses. ouais. Tiens, je te C'est quoi, parle c'est Intermarché, c'est quoi? d'un. C'est la belle vie, sans souci, sans problème. C'est la belle vie. C'est la belle vie. C'est Ouais. le nom d'un supermarché. C'est le nom d'un supermarché en ligne avec des choses bio. Alors, Oh là là, ça doit être un truc de bobo encore, cette affaire. Ils ont alors une petite particularité qui fait leur charme, c'est-à-dire, tu vois, le prix normal d'un truc? C'est x2. 3. C'est ça que je vais me dire chez eux. Il y a un côté des normaux frais x2. C'est sympa, c'est sympa. On va faire C'est x3. vraiment sympa. Ouais, c'est vraiment Mais sympa. ce qui est cool, c'est qu'ils livrent gratuitement à partir de 40 euros d'achat. Et c'est vrai qu'il n'y a plus qu'une barquette de framboise. On a déjà fait mi-chemin. Et ben, on est content. Du coup, tu fais le plein pour 2 jours, ou tu Oh, te... là, avec les 40 balles, franchement, entre le goûter et ce que je vais me mettre ce soir, je peux recommander tout à l'heure. Mais Oui, oui. non, non, c'est fou en plus. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, D'accord, non, d'accord. Bah mais. écoute, c'est bon, t'as pu mettre aux frais ce qu'il y avait à mettre aux Ah, frais? bah non, non, là, non, non. Non, là, on est sur du... D'accord. Pas de surgelé, Non, j'espère. alors, il y a Attention un. à la chaîne du froid. Il y a un truc qu'ils font, il y a une pratique commerciale que je trouve très agressive et je vais t'en parler. Ouais. Il me livre à chaque fois, je vais voir si ça va être encore le cas, une canette de 25 centilitres de Grimbergen à 0,0% que je n'ai pas Autrement commandé. appelé l'habit à Gérard Holt. La bête à Charles, ouais, alors plus petite, oui, non, parce que c'est une petite canette de 25, pas de Ah 33. d'accord, ah oui, d'accord. Et, zéro, et ils disent, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous l'avez pas commandé, est-ce que c'est pas abusé, tu trouves? Et au final, Attends, mais comment ça, il te la donne en disant quoi, genre? il y a un petit prospectus, une petite canette, et puis qui dit, ben Ah, c'est un voilà, petit truc marketing, c'est ouais, ça. d'accord. Mais putain, sur Pourquoi ton. c'est abusé? Parce que Bah, c'est de sur. l'alcool? Ben non, c'est pas de l'alcool. Ah, j'ai cru que c'était de la bière. Non, c'est. Mais si c'était une bière, si on m'offre une bière. Là, on m'offre une bière sans alcool. Et on me dit, tiens, qu'est-ce que Ah, t'en une bière penses? sans alcool. Oui, Oh, 0,0. Mais c'est agressif quand même comme marketing. J'ai rien demandé. Tiens. Oui, mais c'est un échantillon, Mais c'est non, bien d'avoir des trucs gratuits, non? mais il me donne un déchet. J'ai rien demandé, moi. Qu'est-ce que c'est que cette. Et la planète? C'est-à-dire qu'on me donne. Ah, oui, mais alors ça, c'est le principe de faire des échantillons de merde et de Mais prospectus les et des... D'accord, échantillons, on ok. te demande. Là, c'est, j'ai trouvé ça très agressif. Je reçois des courses, on me dit, tiens, et ben voilà. Et du coup, c'est de merde. Parce que moi, je me retrouve avec une canette pleine, je veux pas Mais la oui, et boire. tu vas pas la boire, mais oui, Ben d'accord. ouais, mais je fais quoi? Je la jette. Alors, résultat, il y en avait deux qui étaient dans le frigo depuis un mois. Et tout à l'heure, juste avant Plutôt Caustique, je m'en suis ouvert une. Bon, et ben c'est pas mal. Voilà, parce que c'était le Ah seul. merde! Et ben c'est le seul. Ben Non. voilà, et ben c'est bon, problème résolu. Non mais c'était le seul truc frais de mon truc, c'est pour ça que j'avais commandé des courses juste avant le podcast. Ouais, alors que tu vois, moi je croule sous les bières parce que j'en bois plus beaucoup. T'en aurais fait quoi? Parce que là, t'étais avec Moi une. je l'aurais bu direct, pour goûter. Mais oui, mais à chaque fois, il y en a. Je vais vérifier, mais à mon avis, il y en a une autre. Peut-être que la prochaine fois que tu commandes, dis-leur, hein. Tu leur dis, je veux pas de vos merdes. C'est comme pas de pub sur la boîte aux lettres, tu vois. Après, T'as le droit de pas vouloir de trucs en plus. je dois dire, si je suis honnête, que j'ai eu l'impression de boire un peu une bière et j'ai pas mal à la tête parce que je suis totalement au lendemain de cuite. C'est pas mal, c'était pas dégueu dégueu quoi. Bon, je peux pas Je dire. comprends, mais
au bout d'un moment, tu vois, j'ai quand même l'impression de boire de l'eau de céréales. J'ai essayé hein, les bières sans alcool et au final, il y a quand même un petit truc qui manque. Et je déteste maintenant me prendre des caisses, on en parlait hier avec de la bière, mais... Putain, d'ailleurs, c'est ça que... Pas. Allez, on en parle vite fait. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme alcool qui bourre comme la bière, à savoir à 4-5, mais qu'on pourrait boire longtemps? Tu vois, parce que c'est ça qu'on aime dans la bière, c'est que c'est des gros verres, du coup ça dure longtemps. Et ah quand... ouais, Mais parce je qu'effectivement, pense tout le qu'il faut reste est peut-être prendre chiant. J'en ai un petit marre. Monaco ou... J'en ai marre de péter de la bière. J'en ai marre d'avoir mal au bide, de mal dormir de la bière. J'en ai marre du mal de tête. En fait, tout est nul, à part que Ah quand tu bois, c'est trop mais bien. on en a déjà parlé. Moi, les pintes, j'adore ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi les bières de soif et les blondes pourries qui nous servent dans les bars. Mais je ne peux plus depuis mes 30 ans. Je ne peux plus boire trois pintes sans avoir une gueule Franchement, de bois horrible. ça c'est des conneries parce que toutes mes bières, toutes mes cuites aux vraies bonnes bières, déjà tu peux pas t'éclater plus de 3 pintes parce qu'elles sont à 8, donc bon, 8 ou 9. Donc, Ah oui, mais donc pour toi, quelle que soit la bière, en fait... Non, mais j'allais dire c'est pire. Franchement, les gars qui disent ah, les bonnes bières et tout ça se digère mieux, non, c'est pas vrai, c'est pire. Ah Franchement, ouais, c'est non, pire. mais ça, moi, je disais pas ça. Je me disais peut-être que les bières de merde faisaient encore plus mal. Ben non, Mais je en pense tout que cas, non moi, en fait. je ne peux plus. Moi, je ne peux plus. Ça me fait beaucoup trop mal. Et donc, j'ai essayé de trouver Ouais, d'autres mais manières d'être sous sans se fracasser. Mais moi je j'aimerais comprends. un truc qui se À partir boit. du moment où c'est de la pinte... En fait, je voudrais un truc ouais, qui. Ou alors il faudrait des cocktails très dilués et avec beaucoup d'eau dedans. Écoute, t'as le cidre, Non, mais mais c'est bon, faut... pareil. Parce que ça va être gazeux, donc ça va être horrible. Alors, Bon. sinon, et moi, c'est ce que j'aime beaucoup en Angleterre, c'est que les pintes en Angleterre, c'est des bières quasiment sans bulles et à température. Tu vois, ils ont leurs bières anglaises qui sont tièdes, donc, et quand même en pression, tu vois, mais sans bulles. Et ça, j'aime beaucoup. Donc Alors, je ne me suis pas pris de caisse à ça, mais j'aime bien. avec la Guinness, t'as pas le problème de je digère trop mal, j'ai trop envie de péter et tout, de la bière. Ah bah, je parle pas des bières brunes, hein. C'est des blondes et des rousses sans bulles et à température. Et alors après, des pintes de Guinness, à mon Ouais, avis, mais c'est ça fait longtemps que je pareil. m'en suis pas pris 3 ou 4, mais ça doit faire mal quand même, quoi. Ah bah oui, ma dernière cuite scandaleuse, c'était Guinness. Non, c'est pas bon les Guinness pour ça. Non, Mais donc moi, ouais, je parlerais juste après d'un alcool à 4-5 qui se consommerait à la pinte, donc en grande ouais. quantité, mais qui Mais non, serait mais pas de la bière. le vin, c'est horrible. Mais non, mais tu sais, c'est peut-être les vieux qui avaient la solution, ils buvaient du vin qui n'était pas du tout à Dilué? 12. Ouais, non, c'était pas dilué, mais c'était un Non. espèce de vin pas du tout à 12 en fait, donc La vieille vinasse, quoi. beaucoup moins fort. Bah, c'est peut-être ça, j'aimerais trouver Non, cet je crois pas, hein. alcool. Je pense que ça te détruit le ventre. Non, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est trouver un moyen d'avoir ta pinte de bière diluée. Donc du Monaco, de la limonade, du sirop, pas du picon, Mais hein, le picon, c'est l'effet inverse. c'est les mêmes céréales, tu vas en chier Oui, mais pareil. t'en bois moins, tu te fais moitié bière, moitié limonade, tu vois. Après, tu te bouffes du sucre, je sais pas. Peut-être que la solution, c'est cette bière sans alcool, hein, et si tu trouves la bonne, Ouais, ça serait un espèce tu vois. de cocktail où c'est de l'eau gazeuse. En fait, faudrait. Ou alors, moi ce que je le plus proche, c'est de vachement diluer des Ricards, en fait. Ouais, mais le Ricard, quand on boit trop pareil, ça écœure. Non, tu sais quoi, le truc nouveau qui arrive en France, qu'ils ont beaucoup aux États-Unis et qui est un peu nul, hein, on va pas se le cacher, c'est ce qu'ils appellent les hard seltzers. C'est des eaux gazeuses alcoolisées, Ah un oui. peu aromatisées et tout. On en a reçu au taf l'autre jour pour goûter. Bon, c'est pas très bon. Je pense que tout seul, ça n'a aucun intérêt. Mais tu peux avoir ce côté pinte, rafraîchissant et peut-être un petit buzz de l'alcool sans être complètement défoncé le lendemain. Ah, ça À peut. essayer. À Écoute, essayer. on peut essayer les hard seltzers la prochaine fois. Ou le Je vais m'en crack. acheter. Je sais pas, je vais mettre Ou un le des deux, mais je crack. sais pas lequel encore. Well, Urbain, I think we have I think we have to to wrap it up. We have to I wrap it think we have up. to wrap this fantastic episode. It's not ours to say, but I would say the best ever. Maybe, I think so, yeah. I think Maybe our the one with the two best labels, the one with the two episode. labels, maybe just above the one with the two labels. I'm not sure. I love the. I'm not even sure about this because the two labels was Peggy 18. Yeah. Whereas today we did a fantastic job for children, And the entire adults, family. teenagers. Yeah. It's a family show, It's a you family know? show. Yeah. It's not Well, PG Timothy, would you 13. like to try some heroin with that?
Yes, Yeah. mommy. You know? Oh, Family. Hey kids, just come and listen to this fantastic Gerald's Big Can Dick story. It's a great tale. It's amazing. It's for everyone. This. Okay, so we're going to do a little activity, guys. You're going to draw Gerald's dick. And the cutest drawing is going to win. All right? Okay, let's go. What a great family we have. I made cookies, but they're filled with heroin. All right. Well, happy 14th of July. Yeah. Vive la France. Happy Bastille Day. Go get vaccinated if you want to. If you don't want to, just do as you want, everyone. Of course, no it's problem. A free country. Yeah, anti-vax, but, vax, same dickheads, same. But we will be in our restaurant. Having andouillette à la moutarde, then you will be outside with your COVID. And yes. It's fine by me. Okay. It's fine by me. If you like doing nothing, we like great food and great women and oral sex. All right. All right, kids. Allez. Goodbye. Goodbye. Je n'ai toujours pas coupé. Ah merde, je me disais. Ah ouais, je sais. Là, on a niqué la fin. Attends. Ah merde. Mais coupe. Je refais, mais il y a un truc qui m'empêche. Il y a une autre barre. On peut plus couper. Il y a une barre. Cassez-vous, vous n'écoutez bah pas oui, ça. Vous voyez bien nul. Qu'on n'est pas bien là. On est derrière le rideau là. On vient de briser le quatrième mur. Partez Partez maintenant.